Et salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, c'est la partie 2 de Je refais ma ville sur Minecraft. La partie 1 vous a beaucoup plu, donc j'espère que ce sera le cas aussi pour cette deuxième partie. J'espère que le petit timelapse en entrée de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire pour le dire tout simplement. Donc dans le timelapse, j'ai fini ici le premier bâtiment que nous avions commencé dans le premier épisode qui est assez gros. Je le répète, pour ceux, parce que je sais qu'il y en a qui vont me tacler là-dessus, je ne refais pas ma ville au bloc près. C'est impossible sur Minecraft, je le répète. Si vous pensez que vous pouvez y arriver, essayez de le faire avec votre ville, vous verrez, c'est impossible de refaire la même chose. Et en plus, via Google Maps, on voit les bâtiments, mais on voit pas tout ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire que dans ma ville, ici, déjà, ce bâtiment, vous voyez, il fait un V. Il fait un V, il part en biais, sauf que dans Minecraft, faire un bâtiment en biais, c'est pas très joli. Et en plus, au milieu, il y a d'autres petites maisons ici, donc là, j'ai comblé comme j'ai pu. Mais voilà, je fais pas exactement ma ville, mais on va dire que je refais le même positionnement des routes et des bâtiments. Voilà, du coup, j'essaie vraiment de faire au mieux. Mais le challenge est vraiment très très gros et très élevé, mais bon, vous savez que j'aime ça, vous commencez à me connaître. Donc voilà, si c'est le cas, si vous voulez soutenir la chaîne et le challenge que je suis en train de faire actuellement, n'hésitez pas à aller sur Utip. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà. Vous pouvez sur Utip, le lien est en description, regarder 3 pubs par jour. Ça rémunère la chaîne 2 fois plus qu'une pub YouTube et ça me permet surtout de continuer YouTube grâce à votre soutien. Comme ça, vous ne payez rien et moi, ça me rémunère. Donc voilà, grand merci à ceux qui pensent à y aller le plus souvent possible, voilà. Donc, je vous propose, avant de commencer, un autre petit timelapse, parce que j'aime bien vous faire plaisir. Je me suis un petit peu spoilé, là, vous avez déjà aperçu le bâtiment terminé à côté, mais c'est pas grave. Je vais quand même vous proposer le timelapse. Il faut savoir que cette série, ce sera surtout du timelapse et un petit peu de blabla, parce que, voilà, le gros des choses en timelapse, enfin, est à faire en timelapse, parce que construire comme ça pendant des heures en regardant un plan, pour vous, c'est pas super agréable. Donc, voilà, j'essaie de vous faire plaisir avec les timelapses, et j'espère que, qu'ils vous plaisent. Et puis, n'hésitez pas à le dire si c'est le cas en commentaire, si ça vous plaît ou si vous n'aimez pas trop ça. Voilà, allez, petit timelapse et à tout de suite. Ok, tout le monde, timelapse terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, j'ai commencé la devanture d'un restaurant. Alors, dans ma ville, j'ai l'impression qu'il est fermé. Enfin, il y a l'air d'avoir un panneau, vous savez, qui est écrit en rouge dessus quelque chose, je vois pas ce qui est écrit. Il est peut-être réouvert, mais j'ai l'impression qu'il est fermé. Je vois pas, c'est pas grave, on s'en fiche. Les tables devant sont bleues. J'essaierai de vous mettre la screen si j'y pense. C'est pas sûr que je m'en rappelle, mais j'essaierai d'y penser. Donc voilà, ça ressemble pas exactement au vrai, mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pas évident du tout. Les tables sont en bleu. Moi j'ai mis les escaliers en noir parce que j'ai pas de bleu. Et les contours des fenêtres sont beaucoup plus doux. Ils ressortent pas du tout comme ça. Mais il me faudrait en fait des blocs de l'épaisseur de la barrière pour mettre tout le tour en fait. Donc voilà, donc là j'ai plus le choix que de faire des gros encadrés avec des dalles et des escaliers. Bon ça va, ça rend pas trop vilain du bas, je suis assez content de ce que ça donne. Ici normalement il y a le portail, donc là il est fermé, donc je l'ai fait aussi fermé. Donc voilà, je vais placer mes fenêtres. Donc les vitres sont bleues, j'hésite à les mettre bleues aussi, on va voir ce qu'on a. On va peut-être pas les mettre bleues, j'ai bien envie de les mettre noires en fait. Je sais pas du tout en fait les amis. Ce qu'on va commencer par faire, avant de s'attaquer à ça, je suis en train d'y penser, il y en a un d'entre vous qui m'a donné une idée qui est du tonnerre, qui est vraiment super, c'est de mettre de la luminite derrière les vitres pour que ça ressorte la nuit, que ça fasse comme si le bâtiment était éclairé. Et j'ai envie de te dire mec, merci pour l'idée parce qu'elle est géniale et j'y avais absolument pas pensé. Donc voilà, encore merci pour ce genre d'idée, ça c'est, vous voyez c'est le genre de commentaire que je trouve très appréciable à lire parce que c'est des idées que je n'avais pas eues et qui je pense vont être sympathiques. Alors je vais pas en mettre partout parce que c'est pas censé être éclairé partout, hein. Donc je vais en mettre que à quelques endroits et ensuite on se mettra en nuit pour voir ce que ça donne. Tac. Mais c'est vrai que l'idée en elle-même est super intelligente, voilà, je te le dis, c'est très intelligent.
Là, les commerces, voilà, il y en a qui sont ouverts la nuit, faut pas déconner. De toute façon, tout ça, ce sont des vitres. Hop. Bah, tout ce qui est en noir derrière, ce sont des vitres obligatoirement. Donc, c'est très facile à reconnaître. Tac, tac. Alors, peut-être qu'en journée, ça fera pas très très joli. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vous invite à patienter quelques instants. Je bug pas mal, par contre, c'est assez étrange. Enfin, je bug pas mal. Mes FPS bougent. Ne sont pas stables. Là, je suis remonté à 60. Et quand je regarde par là... Non, c'est bon. Je suis descendu à 30 tout à l'heure d'un coup. Je sais pas pourquoi. Du coup, voilà. On va mettre de la luminite ici. Tac. Tac. Voilà, on en a un peu de fait en bas. On va en mettre ici. Je vais en mettre de l'autre côté. Hop. Voilà. La ville moderne arrive bientôt. Vous inquiétez pas. Elle arrive ce week-end comme d'habitude. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de chamboulements avec les fêtes et tout ça. Je sais que j'ai eu des problèmes de PC. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur farming, j'avais acheté une nouvelle carte graphique grâce au fond YouTube, justement. C'est-à-dire ça vous fait une preuve que l'argent YouTube est bien utilisé à bon escient. Mais elle ne marche pas. Donc en fait, je pense que c'est un problème d'alimentation. J'ai recommandé une nouvelle alimentation qui va arriver très prochainement. Donc je vous dirai ça très bientôt si ça change quelque chose ou pas du tout. Voilà. Tac. Voilà. Bon, là on est pas mal. On va pas tout éclairer non plus. On va mettre ça en nuit. Set. Night. Hop là. Ouais, effectivement, c'est quand même plus sympathique. C'est plus sympa, ça éclaire un peu le bâtiment. Non, c'est joli. C'est joli, j'aime bien. Je vais en mettre un petit peu encore en bas, les amis. Je vais finir de mettre l'argile, vous savez, tout en noir derrière les autres fenêtres qui vont rester noires, fermées, quoi. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'on se retrouve juste après pour commencer un petit peu à finir... Enfin, c'est pas commencer, c'est finir le bâtiment qu'il y a à ma droite, là-bas, que j'ai commencé tout à l'heure en timelapse. Allez, à tout de suite. Ok, re tout le monde, voilà, travail terminé, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors ça donne quand même quelque chose d'assez joli, parce que ça varie un petit peu. Alors ça fait pas super beau, parce qu'on voit que dedans c'est plein, on voit que c'est pas des vitres où on peut voir l'intérieur. Mais voilà, de toute façon je ne ferai pas l'intérieur, ça c'est sûr et certain, je vous l'avais dit, parce que je vais pas m'embêter à faire un... Oui, vous voyez la taille du bâtiment déjà, celui-ci, le temps qu'il faudrait pour faire l'intérieur, ce serait vraiment juste... super long, donc voilà. Au niveau de la map, je pense pas qu'elle sera en téléchargement non plus si elle avance bien. Même problème que la ville moderne, hein. C'est pas que je suis radin ou que je me la pète en disant ouais c'est trop beau ce que j'ai fait, je vais le garder pour moi. C'est parce que je sais qu'il y en a qui vont en faire n'importe quoi, donc c'est pas la peine. Alors je suis désolé que ça punisse tout le monde, mais voilà, malheureusement c'est un peu le problème qui est sur YouTube. C'est qu'il y a des gens qui en font n'importe quoi, qui l'utilisent... à leur bonne sauce en disant ouais regardez hop ça c'est ma map, vous voyez, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, au revoir. Et ça du coup je supporte pas vraiment, on va dire. Si c'est pour jouer dessus tranquillou de son côté, aucun problème. Mais sinon voilà, donc je sais pas, on verra au fur et à mesure si j'ai envie tout simplement de mettre la map ou pas. Il y a un autre youtubeur qui a eu le même problème, c'est LBDT Gaming, je sais pas si vous le connaissez, il fait des vidéos sur farming, il a fait toute une map entière qui est géniale quoi. Et il ne la met plus non plus en téléchargement parce qu'il y a des gens qui en ont fait n'importe quoi. Voilà, ça c'est de plus en plus fréquent malheureusement sur YouTube. Alors on va mettre un petit peu les vitres ici, enfin un petit peu on va les mettre pour boucler un petit peu cet épisode. Faut que j'arrête de dire un petit peu, c'est pour boucler cet épisode. Alors techniquement, j'ai l'impression que sur le bâtiment de ma ville elles sont bleues. Non, elles sont noires. En fait, c'est les volets qui sont bleus. Bon, là, il n'y aura pas de volets. C'est réglé comme ça. Je sais que je pourrais mettre des bannières. Mais les bannières font bugger, je vous rappelle. Enfin, font bugger. Créer du lag. Alors, créer du lag à une certaine échelle. Hein. Mais si je fais toute ma ville en mettant des bannières pour les volets, croyez-moi que ça va commencer à bugger sérieux. La ville moderne, j'ai eu exactement le même problème. Au début, ça allait super bien. Et à force de mettre des panneaux, parce qu'au début, j'avais commencé à mettre les noms de rues et tout, on a commencé à avoir pas mal de lag. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant. Donc pour tous ceux qui me demandent pourquoi je mets pas des panneaux, pourquoi les plaques d'immatriculation des voitures je les fais plus parce que je pourrais les faire avec des panneaux et tout, je sais, mais c'est que je les mets plus parce que ça crée du lag tout simplement. Voilà, et j'ai pas envie de me retrouver sur une map qui lag à mort. Donc je ne mets plus rien pour l'instant. Voilà.
Sachant que je n'ai pas non plus un PC exceptionnel. Alors j'ai un bon PC, je dis pas le contraire, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Je reste modéré dans mes propos. C'est un bon PC, mais voilà, je peux pas me permettre non plus de faire tourner 10 000 choses. Et en plus, si les maps sont lourdes, ça va pas arranger les choses. Pour ceux qui veulent la config du PC, elle est dans les à propos de la chaîne, donc vous avez juste à aller voir. Voilà. Alors ouais bon bah on va laisser ces vitres du coup parce qu'elles rendent pas mal. Elles rendent pas mal. Alors je regarde juste. Il y a une petite plante à l'entrée. D'après ce que je vois. Donc on va la positionner ensemble. Je vais finir de mettre ces vitres. La porte par contre, elle m'a l'air fermée. Ouais, elle est fermée. Donc on va la mettre fermée aussi. Hop, on peut la faire d'une autre couleur peut-être. Allez, on va la faire en vitre gris clair et on va prendre barrière noire, tac, 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 tac. Voilà, la bonne vieille astuce pour faire les portes, c'est parfait. Bon, bah du coup les amis, on a un bon petit début de façade, c'est assez sympathique. Je ferai les autres côtés, bien évidemment, en timelapse pour la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on finira le toit de ce bâtiment. Il est quand même pas énorme, mais il est un petit peu imposant. Donc voilà, il est beaucoup moins gros que celui d'à côté, mais voilà, c'est un gros carré, on va dire. C'est un gros carré. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne du dessus. Bon, pour l'instant, ça rend pas grand-chose, il n'y a pas énormément de bâtiments. Mais voilà, petit à petit, ça va s'agrandir. Du coup, j'espère que la série vous plaît. N'hésitez pas à le dire, à laisser un petit like, un petit commentaire. Voilà, je vous laisse, et puis bah, je vous dis à ce week-end pour la ville moderne. Ciao, ciao!